en fréquence, les bosses à 1350 à Wouteuse de la part de Dany 33. Alors on est le dimanche 29 octobre 2017, il est 10h. C'est parti pour le QSO national, section sud-ouest. Sur 13-51, Rémi, 14 Victor Rico 27, l'opérateur Eric se signale et salut à tous les SWL qui sont derrière. Ok, les 73 retournés. Toi, je trouvais qu'il y avait un petit décalage en fréquence sur le web SDR, mais bon, je vois que c'est pareil pour toi aussi. Ok. Bon, un petit détail qu'il faudra signaler à Ludovic. Hein. Parce que c'est vrai que là, j'entends, ça fait un petit peu une voix de canard, là. Juste à peine, quoi. Ah, il s'est décalé le web SDR. Ouais. Là, je viens de t'écouter en même temps, là, dans le casque et sur le poste. Et effectivement, il y a un petit poil, il y a un léger décalage. Ok, mais écoute, j'espère que tu vas bien depuis hier, voilà. Moi, j'ai été écouter un petit peu là sur le 3-6. Mais alors, il y avait du monde, c'est un peu la cacophonie. Tu m'étonnes. Ouais, j'ai entendu du monde derrière. Il y a eu déjà des appels là depuis 5-10 minutes là derrière sur la fréquence. Ouais. Ben, j'ai fait une vidéo là qui est en cours de chargement là sur YouTube. Donc il y a d'excès près. Bref, après le QSO, je mettrai ça en ligne. Qu'est-ce qu'il me reste encore 11 minutes. Ouais, ben c'est, je m'en occuperai après de ça. Donc comme ça les gens pourront voir un petit peu là comment c'était là pour ceux qui peuvent pas descendre aussi bas. Et c'est vrai que c'était quand même pas mal hein. Et c'est vrai que quand j'ai entendu les reports, j'ai halluciné quoi. Bon, évidemment chez moi j'ai pas les mêmes reports parce que bon je suis sur une antenne de CB hein, donc forcément la réception est pas la même. Mais les reports qui se donnaient les uns les autres, hein, mais c'est hallucinant, hein, c'est du local. Voilà, tout simplement du local. C'est vrai, ouais, comme tu dis. Mais hier soir, après juste avant que les deux partir, il y a Saxon qui est passé. Non pas que Saxon, parce que il y a Xavier qui est passé. Xavier et puis aussi Doudou, 33. Ok, après que j'ai fait la vidéo là, que j'ai écouté là sur le 3 mégas 600, je suis revenu là en écoute là sur le 27 275, et si je me trompe pas j'ai entendu Ludovic qui devait être du côté d'Angoulême là-haut. Hein. Ah ok, après moi je suis pas retourné, je te dis juste je suis resté quoi, 5 minutes. Après, quand tu sois parti, j'ai discuté 2 minutes avec chacun un petit peu. Et puis après, j'ai coupé les émissions. Après, je suis passé sur le 3-6 pour écouter un petit peu là. Voilà tout ça. Ok, ouais, je laissais un blanc parce qu'il m'a semblé entendre tout à l'heure quelque chose. Ouais, ok. Et c'est vrai que. L'AM sur ces bandes là, et eh ben c'est pas si mal que ça, loin de là. Hein. C'est justement j'aimais bien l'écoute là qu'il y avait, et c'est là que ça te rappelle ce que c'est que la radio. C'est voilà, le but c'est pas de chercher à avoir du téléphone, loin de là, mais de la radio avec ses petits travers dans l'écoute, de sur les ondes. Et ouais, c'était j'ai bien aimé quoi. Ça fait ça redonnait ça ramène un petit peu aux sources, on va dire, de la radio. Ouais. Pour info, t'as aussi Fréno, le radioamateur qui est en plein concours là sur le 20 mètres. Je me rappelle plus de la fréquence, je l'ai mis là. Je vais te le dire, oui. Ok, d'accord. Bon, s'il y a des stations là qui veulent rentrer dans le QSO, les 73 des stations là qui sont sur le web SDR, de la part de 14 Delta Romeo 33, Dandy 33, opérateur Rémi, entre Saint-Émilion, question la bataille, c'est-à-dire 50 km à l'est de Bordeaux. Ouais, 14-260. Alors ok, que je me marque ça. Alors 14 200
60, c'est... Ok, je me suis noté ça sur le coude. Voilà, j'ai parti du Radio Club de je sais plus où, là, du côté de la Fère Bordeaux. Et c'est un indicativé, Fredo, soit un indicatif, je ne me rappelle plus, mais tu vas le reconnaître. Ouais, ok, ouais, j'irai écouter, là, voir un peu comment ça se passe. Ok, moi, bon, de toute façon, là, je ferai pas de vidéo. Hein. Non, quand même pas. Celle d'hier soir, déjà, c'est déjà pas mal. Ça va permettre de montrer comme ça aux autres stations comment se passe justement leur traditionnel, leur contest en AM. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué hein, à voir les radios amateurs en AM. Ouais. Bon, est-ce qu'il y a du monde qui veut rentrer pour le QSO national, on veut déjà. Oui, il y a deux stations là. Oui, j'ai entendu deux stations. Comment les faire rentrer? Parce que j'ai pas entendu. C'était trop QRP de mon côté pour entendre quoi que ce soit au niveau indicatif. Retour Eric pour voir si toi tu as une meilleure écoute. Mais là, ouais, ils étaient deux. Ouais, allez-y, les stations là-bas. Il m'a semblé entendre que, ouais, la station, les mentions 13, hein, il m'a semblé comprendre que tu es sur le web SDR, les 73 à toi, si c'est le Jura, 73, 14, Echo Delta 040 du Jura, non, ça c'est une petite parenthèse, la station que j'ai entendue, j'ai cru comprendre que tu es sur le web SDR. Si c'est oui, mets-nous un petit message dessus, là, qu'on puisse te reconnaître. Parce que là, je suis pas du tout sûr d'avoir bien compris. Il y a une autre station qui s'est signalée aussi en avant. Non, j'entends plus rien de mon côté là. Ouais. Là, hier soir, c'était sympa aussi. Il y avait la station du Hortense du Verne qui a breaké et puis on a réussi à se contacter sur la directive. C'était sympa. Ok, heureusement que j'ai le casque aux oreilles, ce qui m'a permis de lâcher le micro aussitôt. Ok, ben ouais, vas-y, c'était très très QRP, hein, à peine audible hein, de mon côté. J'entends quelqu'un siffler, mais c'est petit. Ah, non, rien, j'ai rien de mon côté, rien sur le casque non plus. Oh, Xavier ou Zouzou 33, alors où êtes-vous? On a un peu de propag en même temps, hein. J'ai vu ça là au premier étage. Là, les appels commençaient à passer et tout, là, de l'étranger. Alors, je sais pas si là c'est pareil ou c'est bien pour le QSO. Le tour de contrôle non plus. Vendredi soir, je l'ai entendu sur le téléphone, vu que j'étais au pro, bon, moi je pouvais rien faire, surtout là où je suis en ce moment. Ben non, hier soir, là pour l'instant, non, pas encore. Peut-être qu'il a oublié le changement d'heure. Oh, ça m'étonnerait qu'il oublie, Michel, hein, le changement d'heure. Ouais, tu sais, franchement, je n'entendrai pas parler, je le zapperai vite, hein. Parce que là, moi, j'y pensais plus, hein. Ben moi, j'ai déjà réglé sur les véhicules, puis après le reste, c'est automatique, hein. Sur l'ordinateur et tout ça, c'est automatique. Ouais, ok, ouais. Ben, hier soir, je me suis occupé des pendules, ben, pendant que j'étais là sur le 3 Mega 600. j'ai fait ça pendant ce temps-là, quoi. Oui,
fait un petit blanc. Si vous voulez rentrer pour le Christ national, c'est le moment. Ok, j'ai une idée, on va faire un test. T'as 114 Zulu Golf Foxtrot 82 du département 63. Si tu veux faire un test, là, vu que c'est assez calme là, le, au niveau du QSO, on t'ouvre la porte. Vas-y, vas-y, rentre. Là, je n'ai rien de mon côté. Hein. Assis. Oui, la station, pouvez-vous revenir, s'il vous plaît? Je ne sais pas si vous êtes sur directive, je ne sais pas si vous avez dit sur nous, parce que là, c'était vraiment très sortif de mon côté, avec le 113, la DQSO, c'est ça, 800 km. Oui, il y a quelqu'un qui vient de se manifester là, en avant la station. Oui, tout, tu peux y aller. Bon, bah, tant pis, hein, s'ils veulent pas rentrer, on va pas. Ok, TQSP de 14 Eco Delta 040, les unités 14 Zulu Golf 82 et 14 Zulu Golf Bravo 39. Voilà, c'était de la part de 14 Eco Delta 040. Ouais, écoute, moi j'ai entendu une station qui disait et si elle veut pas rentrer, tant pis pour elle. Au moins, il a pu voir que ça fonctionne. C'est pas grave. Non, c'est rien ça. Voilà, c'était peut-être un petit test comme ça pour voir si ça marchait. Bon, il n'a pas encore bien apprivoisé le micro, Hachi. Et quand il se sentira de le prendre, eh bien, il prendra et puis voilà quoi. Qu'est-ce que tu es diplomate, tu t'en réveilles. Et que quoi? Je dis qu'est-ce que tu es diplomate, t'aurais dû faire la politique. Ah, tu crois? Non, mais disons que je me rappelle mes débuts à la radio, les débuts à la CB. C'est vrai qu'au début, ben, on cafouille, on ne sait pas trop comment s'y prendre. C'est pas la difficulté, on va dire, de prendre le micro, d'appuyer sur la pédale du micro qui est là. C'est la difficulté de parler devant un micro et de s'adresser à quelqu'un qui de suite devient plus compliqué. Bon, je me rappelle de tout ça, hein, donc c'est pour ça que je comprends tout à fait si c'est vraiment le cas que la personne peut avoir des difficultés. On va dire ça comme ça, ok. Non, mais hey, tu sais qu'il y a pas mal de monde en ce moment là qui justement se rééquipe. Hein. Tiens, c'est... Non, ça va faire... Si je parle de chiffres, ça va faire prétentieux après. Non, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal de monde qui se rééquipe. Hein. Ouais, il y a le 24 qui vient de nous envoyer des invités là. On est en train de la station du 24 aussi, puis il y a toutes les autres stations qui sont derrière là. À l'écoute de 73 de 14 Victor Eco 27, l'opérateur Eric ainsi que 2033. Voilà. Retour à vous les stations, c'est le moment, allez-y. Tu vas bien, j'ai en compagnie de Rémi pour le moment, on dit que tous les deux. Allez à toi Rémi, et à nous. Ok, ouais, il est arrivé chez moi là. Les 73 à toi, Doudou, en espérant que tu ailles bien. Et je me suis rendu compte là, il n'y a pas longtemps, qu'il y a deux Doudou 33 sur la Gironde. Mais bon, c'est bon, si on vous croise sur la route, on risque pas de vous confondre tous les deux. Parce que toi, tu es blanc, l'autre Doudou 33 est black. Donc c'est bon, sur la route, il n'y a pas de souci, on fera la différence. Hachi, retour Doudou avec les bons 73 du matin. À toi, Doudou, le micro.
sortir, hein, même sans le casque. Ouais, je sais pas où tu es, Loulou, là, t'es au QRA. Très lointain aussi. Ouais, parce que c'est vrai que tu sors, mais petit, Loulou, hein. C'est quand t'as vu le break, vas-y. Ok, ouais, il y a eu un break, la très QRP là derrière, allez-y en avant, avec les bons 73, là, de QSO National du Canada 27, section Sud-Ouest. Et 73, 14, Echo Delta, 040, eh bien ça va, ça passe. Voilà, là tu... hein. Et mais t'es sur le Jira, donc la propague est là. Eric, c'est le moment. Et voilà, tu as 14 Echo Delta 040 là qui nous arrive comme il faut, là, fait comme il faut, qui nous arrive là, jusqu'ici. Je n'ai pas compris. Qui c'est qui arrive jusqu'ici? Alors 14 Echo Delta 040 du Jira, là qui vient d'arriver sur le QSO là du Sud-Ouest. Ah mais sur le. Tu parles sur le chat, parce que je l'entends pas, moi. Ah si, je l'ai entendu là chez moi, c'est comme si on est en train d'enregistrer, c'est bon, c'est dedans, c'est dans la boîte. Retour à toi, 14 Echo Delta 040. Ok, ouais, c'est sur le web SDR, je t'entends pas, effectivement, sur le OQIRA, ça passe. Ok, ouais, j'ai énormément de mal à comprendre ce que tu me dis. Mais là, tu passes au QRA, y a pas de souci, ça marche. Est-ce que, vu que c'est, j'ai l'impression que ça a monté un petit peu. Eric, est-ce que ce coup-ci, tu arrives à le sortir un peu? Pas du tout. Retour. Oui, retour 14 Echo Delta 040. Ok, bon, un petit coup de clarifieur, c'est bon, là j'arrive à... Ouais, tu nous entends, mais c'est vraiment QRP, hein, c'est bien ça, tu confirmes? Ok, ouais, ben oui, puis là c'est très sporadique, là c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est vraiment du décortiquage que je fais de mon côté. Bon, bah, tu verras ça, là, sur la vidéo, là, à 10 minutes de la fin, là, on va dire. Voilà, là, je suis en train de regarder le compteur. Ok, là, c'est vrai que c'est vraiment pas épais. Mais bon, on t'entend, c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup, quoi. Retour sur Eric. Oui, mais 73 à la station, hein, mais je n'entends pas du tout. Et je suis même sur la directive, ça passe pas, hein. Ouais, t'as braqué direct sur, enfin, en plein sur le Jura? Ah, mais bien sûr, mais là, non, j'ai même un directif, je l'entends pas. Eh ben voilà, là, je dois être dans un couloir où, ben, de ce côté-là, ça veut, quoi, et puis voilà, quoi. Ben, tant mieux. Mais c'est sûr, non, mais là, ça veut pas, j'ai tout essayé, là. Ok, alors Pepper 24, vas-y, retour du micro pour voir si je t'entends de mon côté. Allez, retour Doudou. Là, j'ai énormément de mal à te sortir, je t'entends là par une petite intermittence. Doudou, tu as le Jura là derrière, là, qui est avec nous sur le QSO, c'est 14 Echo Delta 040, voilà du Jura. Retour au Doudou pour voir si tu passes là, de son côté.
Ouais, ouais, ben c'est la propa qui fait ça, parce que j'ai le casque là de brancher sur le web SDR et je t'entends mieux au QRA que sur le web SDR. Hachi trois coups. Non, mais c'est la propague hein, qui est en train de jouer là, en ce moment. Parce que là, là j'ai réussi à mieux te sortir là, de mon côté. Là. Ah, ok, t'es chez toi là, Dudu? Doudou? Ok, non, mais justement, c'est parce que t'es en mille pattes que je te posais la question. Hachi, tu pouvais être en train de bosser là, en ce moment. Retour Eric, Doudou est chez lui, là, son QRA. Ouais, mais je sais, j'avais compris depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que d'habitude, il arrive beaucoup plus fort que ça, et là, c'est pas épais ce matin, même de mon côté. Ah ouais, ben, faut attendre que la propague se déplace vers toi, et puis voilà. Non, mais toi, je suis même étonné d'entendre le Jura, là, vu comment c'est chez moi, mais bon, la propague est là, donc peu importe les collines, ça passe quand même. Hein. Et retour, Eric. Ben oui, en plus, toi, t'es de l'autre côté, en haut de la colline, t'es de l'autre côté, en plus, t'es plus près du Jura que moi, hein. Oh l'autre, il y a quoi, il y a 50 km, c'est tout. J'ai la colline qui fait écran, quoi. Là, je serai en push, je serai monté là directement en haut là, du village. Là, ok, là, je l'attrape au carton. Là. Mais oui, mais c'est vraiment moi, si je me mets en haut de la tour de Bouillac, ça va passer beaucoup mieux. Ouais, tiens, tu parles de ça. Ludovic, là, j'ai un autre filtre là, à lui proposer. Voir si il a déjà mis un filtre passe-bas là, sur sa ligne coaxiale là, pour le web SDR. Je voudrais voir si en rajoutant un deuxième, ça aiderait à éliminer quand même un peu plus de QRM haut. Quoi. Parce que là, c'est à voir, à tester. Quoi. Mais après, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Hein. En plus, t'as vu où est l'antenne, elle est carrément autour des arbres, elle est touchée, donc ça m'étonne pas aussi qu'il y ait des QRM. Ah, tu sais, hein, c'est pas les arbres qui produisent le plus de QRM. Ou alors, j'ai rien compris, quoi. C'est des arbres atomiques, hachi. Non, mais déjà, avec l'automne, ça, les feuilles vont tomber, ça va se dégager un peu plus. Hein. Parce que le filtre passe-bas que j'ai à lui proposer, c'est un vieux truc. C'est un DRAC Tango Victor 42 Lima Papa. Et à voir si en le rajoutant dessus, ça pourrait donner un petit coup de pouce là, pour nettoyer un petit peu là, du côté des QRM hauts. Déjà, le filtre passe-bas qu'il a mis, je crois que c'est le Kenwood, la logique allongée comme la boîte à cigares. Hein. Celui-là, c'est un mort. Hein. Alors, je vois pas ce que tu pourrais faire de plus avec un ordre. Hein. Ouais, je sais, je l'ai aussi, celui-là. Je l'ai de côté, celui-là aussi. Hein. Ben, des fois. Bon, je sais qu'il faut pas les brancher QAQ. Hein. Ça, d'accord, parce que là, pour le coup, ça fait rien de plus. Mais le rajouter un peu plus loin sur la ligne, je sais pas, peut-être. Je sais pas. J'ai envie de dire qu'il ne tente rien à rien. Donc il faut qu'il soit à l'abri, cela, quand même. Ah, bah oui, il faut que ça. Ouais, bah bien sûr, oui. Sinon, quelle idée t'aurais, toi, pour nettoyer un peu plus, là, ça, parce qu'attends que je regarde un peu là-dessus. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être un peu plus propre, quand même. Hein. Ouais, tiens, tu parles de ça. Il y a quelque temps, je suis tombé sur une antenne d'intérieur. Alors, elle ressemble ni plus ni moins à ce fameux tube là. Comment ça s'appelle déjà, le Bull Dance, ou je sais plus le nom exact.
Ça fait assez bizarre comme antenne. Hein. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Ouais, il y a quelqu'un qui s'est manifesté, vas-y, vas-y. Ouais, salut, c'est moi, c'est Richard. Bonjour tout le monde. Bonjour à toi, Eric, et bonjour à Denis. Les 73, Richard, avec les bonnes amitiés du matin. Ouais, aussi, moi aussi, les amitiés retournées. Salut Richard, 73, il y a Doudou 33 qui est avec nous aussi. Doudou 33, ouais, bonjour, je connais pas, mais bon, les amitiés retournées, lui aussi. C'est l'opérateur Doudou, c'est ça? Et c'est quoi ton QTH à 1233? Je suis de Saint-Maï, dans au sud de Bordeaux, c'est-à-dire entre le Basque et le Basque de la Belgique. Ah ouais, mais c'est curieux, j'ai quand même du mal, je devrais entendre beaucoup mieux ça. Bah, il se trouve juste avant Orsay, c'est Saint-Maï. Ah ouais, ok, pour Saint-Maï, je comprends pas, je devrais entendre mieux ça. Moi aussi, là, aussi, mais là il est dans son camion apparemment, non? Hop là, on a un passage de propague. Bah, je sais pas, reviens nous autres, parce que Rémi a parlé avec toi. Oups. Allez, vas-y, vas-y. Ok, ouais, je disais, on a un passage de propag. Oui, Doudou 33, c'est son QRZ, et il module depuis son 100 000 pattes, donc la configuration n'est pas forcément toujours des meilleures, quoi. Voilà le pourquoi du comment. Oui, retour Richard. Ouais, j'ai cru que c'était à moi que tu disais, quand t'as dit Rémi, j'ai compris Riri, j'ai cru que c'était à moi que tu parlais, Eric. Oh Riri, tu veux t'appeler Riri? Ah merci, c'est en passant, on a les collègues de boulot, ils sont charlatés comme ça. Alors on fera après, on va faire Riri, si, loulou. Ouais, dis-moi, tu t'entends pas des bruits de relais qui claquent dans la modulation, quelque chose comme ça? Non, non, impeccable. Ah ok, non, parce que j'ai modifié mon installation, j'ai mis un atténuateur de puissance de manière à pouvoir attaquer l'ampli linéaire contre de patates. Donc, voilà, tu vois, je l'attaque avec 5 watts. Parce que tu sais, je sais ce qu'il faisait l'accrochage maintenant, j'ai trouvé. Je sais ce qu'il veut la dire. Ah ouais, ouais bah c'est Alzheimer qui me guette. J'oublie certaines choses. Donc là, je l'attaque avec une puissance de 5 watts, mais en passant par un atténuateur, un petit EPR25. Mais c'est très désagréable parce que en BLU, j'entends le relais qui claque à l'intérieur, c'est désagréable.